Yo les potes, ici Zato et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur Guns of Boom. Les gars, aujourd'hui on va parler un peu vraiment de la chaîne, car l'ancienne vidéo qui a eu 11 likes et 70 vues, et ça je vous en remercie parce que ça m'a fait chaud au cœur, était pas très très bien faite. En fait j'avais pas vraiment bien expliqué, je pense que ça a pas été clair pour tout le monde. Enfin bref, je préfère vous le réexpliquer mieux. En gros, je ferai mon retour sur YouTube le 20 ou 21 juin 2018, donc après mes examens, bref. Voilà. Après, j'aurai aussi un nouveau casque qui s'appelle le Trust GXT322. En gros, c'est un casque bon, c'est un bon casque qualité-prix en fait. Il coûte 45€ et franchement, pour le micro et pour le son et pour la confortabilité des oreilles, c'est juste énorme. Bref, vous aurez au niveau du son quelque chose de plus. Enfin, quelque chose de mieux. Par rapport à mon vieux Triton qui coûtait 60 balles et franchement qui est un très mauvais qualité prix. Franchement voilà. Bref, on passe à l'autre sujet. The Crew 2, enfin ça je vais pas en revenir trop non plus. Mais vous le savez, j'avais déjà expliqué ça dans l'ancienne vidéo. En gros c'est un jeu de voiture, voilà, on va faire une petite découverte. On fera des live détente avec Seb et Diman. Donc ça comme je l'avais dit, ça va être le retour de Seb et Diman sur la chaîne. Voilà, on verra moins Arca, Lucas, et etc. Parce que je suis moins Fortnite, en fait. Je suis vraiment plus multigaming. J'aimerais que cette chaîne, en fait, devienne plus multigaming. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant 6 mois, sur ma chaîne, toutes les vidéos, c'était quoi? C'était du Fortnite. Et moi, j'aimerais, en fait, faire du multigaming. Vous faire une vidéo GTA 5 funny moment, vous voyez, un truc vraiment genre... un délire qui s'est passé pendant 20 minutes et que vous remet en rediff. Et puis, le lendemain, vous mettre une vidéo Fortnite, voilà, délire, ou un petit topin sympa. Le lendemain, enfin, juste le jour après, vous mettre justement live détente avec The Crew, un déblocage de voitures du malade, etc. Et puis encore le jour qui suit, Rainbow Six, parce que le retour sur la chaîne de Rainbow Six, les gars, j'ai vu des vidéos de youtubeurs récemment, et ce jeu m'a ré-hypé, sachant que j'avais déjà joué pendant un an à ce jeu et j'en avais eu ras le cul parce que voilà, après un an t'en as un peu ras le cul d'un jeu, c'est normal parce que je l'avais séché. Et on achètera le season pass, donc vous aurez les nouveaux agents, enfin bref, ça va devenir une chaîne multigaming en fait les gars. Zato, ça va devenir une chaîne multigaming. Je vous rappelle que ce mois-ci, en mai 2018, c'est sa première année, donc c'est son un an, c'est son anniversaire. Du coup franchement je vous invite à mettre joyeux anniversaire dans les commentaires. Vous l'aviez pas mis dans l'ancienne vidéo, bon c'est pas grave, mais franchement j'aimerais vraiment que vous le mettiez, ça me ferait plaisir. Voilà, je pense que j'ai tout dit dans la vidéo. Donc voilà, on se retrouve en petit gameplay, voilà, que j'ai fait là il y a 10 minutes. Comme ça, l'histoire de vous commenter ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous mettrai un peu les fonds d'écran. Enfin, ça vous avez vu, j'imagine. Je vous ai mis un peu les fonds d'écran des jeux, des choses qui vont arriver. Pour vous donner un peu un aperçu de ce qui va arriver. Voilà, donc moi j'ai tout dit les gars. Je vous laisse la fin du gameplay. J'ai fait deux games, donc j'ai fait celle-là que je vous voyais maintenant et une autre. Bref, je vous laisse sur la fin. J'espère vraiment que j'aurai des petits likes, des petits messages qui vont me faire plaisir comme sur l'ancien. Et j'espère franchement une petite chose les gars. C'est que à mon retour le 20 ou le 21 juin comme je l'ai dit, ça serait de taper un live sur Fortnite. Parce que à ce moment-là, il n'y aura pas encore The Crew 2. Donc ça sera d'office un live Fortnite. Je sais pas si j'aurai déjà mon nouveau casque, je suis pas sûr, mais bref, j'espère vraiment qu'on sera au moins 10 à 15 les gars, s'il y a les notifs. Franchement, essayez, par exemple le 20 juin le soir, vous regardez un peu ma chaîne, voir si je suis en live, si vous avez pas eu de notifs, ou le 21 juin l'après-midi. Franchement, je compte sur vous pour faire ça le 20 et le 21 juin et vous voir au moins 10-15 sur mon live et franchement passer un petit moment avec vous, petit retour. Ça me ferait kiffer ma grosse race, tu comprends? Les gars, je voulais juste dire un petit mot aussi pour la fin. Ça m'a déçu un peu de voir que 12 abonnés se sont désabonnés. On est passé de 377 à 365, les gars. C'est juste énorme. 12 abonnés, les gars. En 3 semaines, c'est... Waouh. C'est chaud, quand même. Voilà. Je pense que, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, enfin, ce que je me répète, hein, vous êtes abonnés pour moi et pas seulement pour mon gameplay, les gars. Donc je pense que si vous vous êtes attaché à moi, vous devrez un peu rester pour moi. Vous voyez, pas pour forcément ce que je vous offre comme gameplay. Enfin si, d'un côté si, mais d'un côté non. Bref, voilà, c'était le petit mot. Je voulais juste dire aussi le tout dernier, là je vous le promets. C'est marqué en bas à droite de la vidéo.
Cyberlink by Power Director, en fait, c'est avec quoi je fais le montage de cette vidéo. Donc voilà, voilà. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, la petite vidéo. Je vais essayer d'être actif, faire un peu de Guns of Boom et de PUBG Mobile pour un peu varier. Et comme ça, vous avez un peu de gameplay pendant que je mon absence. Du coup, voilà, c'était Zato. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la notification si ce n'est pas déjà fait, si vous voyez cette vidéo entre-temps. Tchou tchou, c'était Zato. Ciao.